Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape sur les décalques que je devais faire dimanche, mais que dimanche j'ai pas fait parce que dimanche Vincent il a fait dodo. Il a fait dodo toute la journée, le Vincent. Et incorrigible, incorrigible. Voilà. J'ai un truc là, je sais pas ce que c'est. On va l'enlever peut-être parce que ça risque de se voir après. Donc voilà, hein, Vincent il a fait dodo. Ouais, c'est pas bien grave. D'habitude, vous avez toujours une petite vidéo le dimanche ou le samedi, mais là, vous n'en avez pas eu. Donc, voilà, les amis. Donc, j'ai préparé le décal qui est là. C'est celui-là qu'on va venir poser en premier ici, là, là. Et ensuite, on va s'occuper des décals qu'il y a à l'avant. Donc, petit décal ici en carbone. Voilà. Vous voyez, c'est demandé dans la notice. Le carbone, là, celui-là, est fourni dans le kit. Pareil pour l'autre fenêtre ici, c'est pareil. Petit carbone qui était mis là. Les décalques ici, par là, sont faits, sont finis. Sur ce côté-là. Donc, le décalque noir qui a été mis là, sur le côté-là. Le petit 1. Le petit Michelin qui a été mis là. Autour, ici, on a aussi un petit décalque. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir. Ce décalque là qui a été mis aussi, le petit là aussi qui a été mis, là pareil, donc de ce côté là pareil, le numéro 1 qui a été mis, tout ce côté là a été fait, celui-ci ici et l'arrière, voilà, donc là le petit Red Bull, celui-ci qui a été mis, là, celui-là, le 1 qui vient ici et on a encore celui-ci qui vient ici, donc la même chose que là, ici, avec le haut ici. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est poser le décalque qu'il y a là et on va venir s'occuper des décalques qui vont à l'avant aussi, ici, sur le capot. Donc il y en a un paxon aussi à mettre sur le capot avant. Donc on va venir faire ça tout de suite après. Je suis venu faire le noir autour de ça. Donc j'ai fait ça en marqueur, je voulais pas le faire, mais tout compte fait, je suis venu le faire. Alors vous voyez, à la vidéo, on voit qu'il y a encore des trous qu'il y avait eu avec le vernis, mais faut pas s'inquiéter. Quand je vais passer l'autre vernis par-dessus, normalement, on ne les verra plus. Et puis, il y aura un petit peu de poussière sur la voiture. Donc, on ne verra plus rien. Donc, est-ce qu'il est prêt? Non, pas encore. C'est un grand décalque. Hein, donc, il faut vraiment attendre. Avec ça, là, les grands décalques comme ça, il ne faut pas trop jouer avec. Parce que, qu'il ne casse pas, ni rien. Donc, il faut vraiment bien le mettre dans l'eau. Donc là, voilà, je l'avais mis dans l'eau déjà tout à l'heure. Mais là, on va le remettre, hop, un petit peu, voilà. Donc déjà, vous voyez, il s'est déjà mis un peu plus à plat. Donc toujours prévoir un grand bac. Je suis venu mettre les décalques sur les roues. Donc il y a trois décalques. Un là et un dans le central. Donc vous voyez, il y a un petit 1 ici. Donc pareil pour la roue arrière, pour ces roues-là, c'est la même chose. Et la roue de secours, les petits décalques ont été mis aussi. Donc voilà. C'est fait. Je regarde si mes ceintures se sont pas décollées. Oui, j'en ai une qui s'est redécollée. Ça commence à me plaire, ça, ces ceintures qui se décollent. Alors, c'est bien d'avoir mis du flocage, Vincent, mais dans un autre sens, c'est chiant. Parce qu'elles se décollent tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hein. De toute façon, une fois que il y aura la carrosserie, les carreaux, tout ça, si un jour ça se redécolle, on ne pourra plus rien y faire. Ce sera comme ça. Si on a beau mettre de la cyano, ça se redécolle aussi. Donc, il bouge. Il bouge, les amis. C'est bon, il est prêt. Donc là, j'ai passé de l'alcool à 70. Donc, désinfectant. Voilà, alcool à 70. Sur l'ensemble de ça, parce que, évidemment, depuis que je mets les décalques, je la patrouille, tout ça, on peut avoir plus ou moins les mains grasses. Là, les mains, ils ont été lavées, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on va pouvoir se faire ça. Donc vous voyez, j'ai des petites pluches qui ont été prises sous le vernis, mais bon, tant pis. Le blanc, c'est ingrat à faire. Tout ce qui est peinture blanche, c'est très ingrat à faire parce que ça se, il y a plein de pluches qui se mettent dessus. Donc voilà. Alors normalement, ça doit venir entre ces deux traits là, je crois. Oui, ça déborde là aussi. Voilà. Donc là c'est parti. Alors, là faut
faire très attention, c'est ces deux parties-là. Parce que là, il faut venir à peu près les positionner tout de suite, parce que ensuite, il ne faudrait pas qu'ils se plient sur eux-mêmes. Voilà, donc là, il faut arriver à bien centrer le décalque, il va falloir qu'il se trouve plié sur les beurres. Il va y avoir du boulot, il va y avoir du sport. Alors, hop, ça, ça là, il faudrait qu'il puisse venir comme ceci, celui-ci. Ouais, c'est ça, il faut qu'il s'aligne là, voilà, ici. Là, on est pas mal. Là, il faut que ça avance un petit peu par là. Ouais, c'est bizarre ça. Parce que là, on n'est pas bien. Il faut éviter que le décalque se replie sur lui-même. Alors, vous avez ma grosse main qui est devant, j'en suis désolé. Mais là, j'ai pas le choix. Donc là, c'est pas trop mal. On dira que c'est pas trop mal. Ici, ouais. Donc là, il n'y a plus qu'à venir... Vous avez vu la palanquée de contre-tige que je mets là, hein. Ça, faut en avoir. Hein. Faut en avoir toujours dans l'atelier des contre-tiges, parce que là, les trous correspondent ici. Déjà, c'est un bon point. Là, ce sera à repercer, là aussi. Donc voilà, ici, c'est pas trop mal. Là, je crois qu'il va falloir jouer de l'assouplissant. Donc, de toute façon, je ne vais pas vous filmer tout le procédé de ça. Hein. Vous m'avez déjà vu faire poser plein de décalques. Je vais sûrement couper. Et puis, on se retrouve dès que j'ai un souci. Donc là, pour l'instant, je vous fais voir comment je l'installe le plus grossièrement possible. On va venir l'assouplir, tout ça va venir se tendre, bien entendu. Il suffit de bien évacuer l'eau qu'il y a dedans. Voilà. Alors, pas toujours aller dans le même sens, évidemment. Il faut bien regarder les plis que vous pouvez voir apparaître pour essayer de les évacuer le plus rapidement possible, chasser le peu d'eau qu'il peut y avoir dessous, toujours avec un coton-tige humide, autrement le décalque qui va coller au coton-tige. Et là, je vous raconte pas la caca, la cata, la catastrophe, et bien entendu. Ça s'évacue. Après, il va falloir l'assouplir de toute façon. Pour ici, hein, que là. Et puis, il va l'assouplir aussi un petit peu par là. Il faut que je réponde à vos commentaires, les amis. Voilà, là-dessus, veuillez vraiment m'en excuser. C'est que. C'est pas que j'ai pas envie, hein. Au contraire. Hein. Non, j'ai très envie de vous répondre. Je trouve pas le temps. Je trouve pas le temps. Hein. Vincent, il fait dodo. Vincent, il fait dodo le dimanche. Hein, pas normal, ça. Il fait dodo au lieu de faire des maquettes. Non, mais dis donc. Bon, voilà, les amis. Allez, je passe le dilon. Oh, le dilon. Oh là là, l'assouplissant avec vous. Alors, je l'ai laissé ouvert tel. Voilà, c'est bon. Là, on va passer partout, hein, parce que là, pour effacer les bulles, voilà, et ici, voilà, on va passer de l'assouplissant. Moi, je vais m'aider du sèche-cheveux, parce que j'ai remis une prise. Mine de rien, sèche-cheveux, ça aide bien aussi. Hein. Ça, c'est sûr que ça aide.
Donc là, il faut que je le remonte ici. Je viens de m'apercevoir qu'il est trop par là. Voilà. De l'assouplissant. Là et là. Oui, du mal. Hein. Voilà les amis, allez, je coupe. On se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis. Donc le décalque a été mis sur le dessus. Alors j'ai une pliure ici. Bon. Le toit est comme ceci, d'accord, et comme ceci, d'accord, et on a cette partie là. Donc automatiquement, quand vous le placez, vous avez des pliures qui apparaissent ici et ici, et notamment ici parce que la forme est comme ça. Donc pour arriver à supprimer cette pliure là, là déjà c'est vraiment pas trop mal, parce que regardez tout le restant du capot, là on voit deux empreintes ici, là vous voyez dans la lumière, ici et ici, c'est pour les antennes, hein. Donc là les autres trous, ce sont les trous qu'on a percés, et ce sont pour les antennes aussi. Donc à l'arrière, pas de problème, je vois que j'ai une bubule là, petite bubule, elle est là. Donc, faut arriver à l'extraire, elle s'est avancée, impeccable, il n'y a plus, si elle est encore là. Alors, quand vous avez une petite bubule comme ça, les amis, n'hésitez pas, prenez un petit machin pointu, et vous percez la bubule. Voilà, hop, vous la percez, et vous appuyez, et ça chasse l'air qu'il y a dedans, et voilà, il n'y a plus de bubule, c'est fini. Donc, voilà, donc là c'est bon, c'est parfait, bon, et parfait, non, on va pas dire que c'est parfait, j'ai eu, ça se décolle un peu là, ici, il faut faire gaffe à ça. Un petit défaut là aussi qui se trouve juste à l'angle, hein, je vous cache rien de toute façon, là vous non, même pas, vous voyez pas, mais là on voit bien la petite pliure qui se trouve ici, mais c'est pas, je dirais, c'est pas bien méchant, hein. Moi ça me gêne pas trop parce qu'on a la prise d'air au toit et je pense que ça va en cacher une bonne partie. Voilà, vous voyez la prise d'air au toit, elle est là, et donc on voit plus la, on voit plus la, le défaut. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop insisté dessus pour essayer de tendre d'un côté ou de l'autre, parce que ça m'énervait un petit peu. C'est que j'ai passé, on va dire, au moment que j'ai coupé, on l'a installé ensemble, on a mis l'assouplissant, j'ai dû passer à aller trois quarts d'heure dessus, quand même, les amis. Donc si j'avais filmé tout ça, pensez bien que ça ferait une sacrée vidéo. Voilà. Mais là, c'est bien, c'est impeccable, c'est beau, c'est propre. Donc là, on va passer ici. On va poser peut-être deux décalques ensemble, les amis. C'est pareil, je vais pas tout filmer parce que ça prend un temps fou. Et cette voiture-là, on a beaucoup. beaucoup de décalques. Alors, aussi, vous voyez, ça, c'est le feu arrière. Alors, c'est un décalque. Il y a plusieurs feux arrière, notamment, je vais le prendre comme ça, hop, hop. Donc, le feu arrière qui se trouve ici, en haut, d'accord. On a les feux aussi là et là, d'accord. Ça, je vais venir les faire, chrome molotov, tac, tac, et la peinture rouge translucide. J'ai pas envie d'y mettre les décalques. Ça va faire... ça va pas faire réel pour moi, donc voilà, comme vous savez très bien que j'essaye toujours de garder un maximum de réalité sur les modèles, donc voilà, je veux pas penser ça comme ça, je veux faire de la manière comme si c'était des vrais feux. Donc là on va venir décoller celui-ci, le numéro 2, je coupe tout ça hors caméra, et on se retrouve tout de suite après. Allez, tout de suite. Allez, de retour les amis, celui-ci est prêt, donc j'en ai préparé plusieurs, le Red Bull
qui est devant, qui va venir ici, le numéro 1 qui vient ici au-dessus, et puis les deux côtés. Donc celui-ci il est prêt, j'ai enlevé le numéro, donc on va venir le poser délicatement, parce que là on a un trait qui est vachement fin, et donc je regarde comment ça va, ok ça va comme ça. Oui, vous voyez, très très fin. Il faut vraiment que le décalque puisse se décoller tout seul. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, ça c'est pas bon. Ce n'est pas bon, donc on va céder. J'espère que vous voyez bien. On va céder de ça. On va faire glisser ça comme ça. Il suffit juste d'attendre un tout petit peu plus. Voilà. Il y a un moment, il suffit de pas grand chose. Hein. Il suffit qu'il soit encore un petit peu collé à sa planche. Donc là, vaut mieux attendre encore un tout petit peu. Il y a des moments où vaut mieux vraiment faire attention que le décalque soit bien, que la colle elle ait bien pris l'eau. En fait, c'est la base. La base qu'il y a là-dessus, hein. Je vous en prends un, voilà. La base qu'il y a là-dessus, c'est une base collante, hein, et qui se trouve dissous, enfin dissous, elle se ramollit avec de l'eau, et c'est pour ça qu'on peut les coller après. Donc, s'il y a encore une partie qui est un peu collante, votre décalque, ben, il a du mal à bouger. C'est ce qui vient de se passer. Donc ensuite, donc ça, c'est pas de l'assouplissant, hein, c'est un truc qui aide à glisser le décalque. Mais sur par exemple ça sur le carbone, ça l'assouplit un petit peu. Ça assouplit un peu le carbone. Donc on peut en mettre, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire attention. Donc là, pour moi, il n'est pas trop mal. Hein. Là, il est bien au niveau du feu. Pour moi, il n'est pas trop mal. Là, je vais regarder par contre sur la notice. Là, ok. Là, ok. Ok. Donc, vous voyez des gouttes, hein. Paf, une goutte là, une goutte là, une goutte là. Heureusement que c'est des photocopies. C'est des autocopies. Allez, un autre coton-tige. Hop, dans la bouche, ça l'humidifie. Faut pas trop l'humidifier non plus, hein. Ça sert à rien. Par contre, à l'avant, ouais, non, c'est à ras du feu, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, il faut peut-être qu'il descende un petit peu. Ok, impeccable. Donc là, il faut venir le rouler. Si je fais ça, c'est-il pas mieux pour vous? Un petit peu. Venir le rouler tout doucement, à partir de la partie la plus large, on va dire. Hop, on revient. Là, la partie la plus fine. Là, il faut y faire hyper gaffe. Parce que ça, c'est très cassant, on va dire. Même il y a des moments juste le tamponner, ça suffirait. Voilà. Donc là on n'est pas encore sorti d'affaire, hein, les amis, pour celui-ci. Il s'est mal placé, je trouve. Non. Je sais pas. Là, il suit la ligne qu'il y a là, ok. Ok, là c'est pas mal. Et là on va mettre un petit peu d'assouplissant pour l'assouplir un peu. L'autre côté il est prêt, on va pouvoir venir le poser, mais on va sûrement, moi je vais le poser ça hors l'autre, le deuxième hors caméra, et puis on va venir poser le Red Bull qui est peut-être plus intéressant pour vous. Bon, là c'est une partie délicate, donc ça peut être aussi intéressant pour vous. En fait on a la ligne du capot et le truc se trouve dans la ligne de capot là, en fait. Et l'assouplissant, ça le décolle un petit peu. Voilà, impeccable. Donc les amis, je le finis hors caméra et puis je vous reprends tout de suite. Donc,
De retour les amis, et là on va venir poser le Red Bull qui va devant. Donc hop, on y met. Alors il doit venir de là à là, de la pointe là à la pointe là, normalement. On va voir si c'est bien fait. Hop, le Red Bull normalement il est prêt parce que je l'ai mis dans l'eau en même temps que ces deux là. Et j'ai mis en même temps, vous ne voyez pas, voilà, j'ai mis en même temps les deux taureaux en posant celui-ci. Donc normalement, dès qu'on a fini celui-là, les deux taureaux, c'est prêt. Voilà, impeccable, il est prêt. Donc ça va pas de pointe à pointe, les amis. Alors là, on est au-dessus, et là, par contre, on voit qu'on est de pointe à pointe. Donc il y a un chouchaï. Alors. On va... on va le mettre comme ça. On va regarder comment que ça tombe sur le plan. Sur le plan, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, si on regarde comme ça, par le dessus, là, comme ça, moi. Alors, ça, c'est l'axe, déjà, pour le futur logo, qui va être en bas. Il faut que je remette, doucement, bourrin. Hop, voilà. Ça va l'aider à bouger. Bah, écoute. Écoute, faut qu'il revienne un poil par là. Voilà, c'est pour moi, il est pas trop mal. Je sais pas si vous l'avez vu bouger. Hop, je repousse ça comme ça ou comme ça. Voilà, pour vous, vous voyez bien. Et moi, je travaille comme ça. Voilà. Alors. Les deux extrémités. Voilà, et on repart de là. Et on va chasser toutes les bubules. Voilà. Faut pas hésiter. Alors par contre, là, ça devient délicat de manipuler la carrosserie, comme il y a des décales de partout. On ne voudrait pas les esquinter, bien entendu. Là, vous voyez bien. Ah oui, là, vous voyez bien. Là, c'est splendide. Tu te fais des fleurs, hein. Bah, il faut bien jouer en face, non? Allez, ouais, pas mal ça. Un pic. Alors là, ça va faire plus brillant ici. Vous voyez, hop, parce qu'on a le papier. Le fameux petit papier transparent qu'on ne peut pas enlever. Mais bon, c'est pas bien grave. Il est bien là, j'en sais rien du tout. Voilà, et donc on va pouvoir venir mettre celui-ci. Alors, celui-ci, donc si je ne m'abuse, il vient là, exactement. Il vient là, il vient là, entre ça. Alors, là par contre, on a un point de repère aussi qu'on peut prendre, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je raconte des bêtises. Allez, hop, la pince. Ah, ça, celui-là, faut pas l'esquinter. Ce qui fait tout le charme de la bagnole. Pas de... les... que des taureaux. Voilà, impeccable. Pas mal là, je trouve. Au niveau des sabots, ouais, ils sont bien en dessous de ça, bien en dessous de ça. Donc, quasiment à coller à celui-là. Voilà. Pour moi, ce serait pas trop mal. Il est quand même pas trop mal axé.
Voilà, normalement c'est dans l'alignement de ça et dans l'alignement de ça. Là pour moi il est parfait là. Ah, normalement. Donc là ça c'est bon. Alors je vais remettre un autre décalque à tremper. Ils sont là. Donc, on va mettre celui-ci à tremper. Celui-ci, hop, hop. Hop, toujours pareil, on le met à l'envers. Voilà, vous voyez, je ne le mets pas longtemps dans l'eau, ça sert à rien. Vous laissez la colle, l'eau pénétrer à l'intérieur du papier et puis que ça se dissout tout seul. Hop, hop, oubliez celui-là, le petit 2. Et hop. Hop, et voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux travailler dessus tranquillement et l'autre va se diluer. Nickel. Et sincèrement, le bleu, les amis, le bleu, vous rappelez, hein, de... je vais vous refaire voir. Le bleu Red Bull, le bleu de chez Petit Matos, les amis, hein, oubliez pas, allez-y, hein. Petit Matos, l'adresse, elle est ici, voilà, allez, une petite pub encore, super, génial la peinture, super, sincèrement. Vous pouvez y aller les yeux fermés, même pour les peintures spécifiques. Vous y demandez, il vous dit oui, oui, il vous dit non. Moi, il m'a dit que oui. Donc, pas de souci, ça a marché. Et la preuve, c'est que ça a super bien marché même. On voit pas la différence, enfin, pas trop la différence hein, entre ici et là. Sincèrement, celui-là qui me dit qu'il y a une différence, hein. Là, je comprends pas. Là, je comprends pas du tout. Donc là, c'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est bien. Là, il n'y a pas besoin d'assouplir le décalque. C'est une partie qui est quasiment droite. Il suffit de bien d'évacuer les bulles. Et puis tout rejoué. Vous voyez d'où l'intérêt de revernir. Oh là là, d'où l'intérêt de revernir, c'est parce que ici, voilà, on a le vernis de la carrosserie et là on a le papier translucide. Et donc on voit bien qu'il y a un papier translucide. Celui-là il est mort. On prend un autre un peu plus, voilà, il est un peu plus costaud. Alors pour savoir si la jonction là, entre les deux décalques va se voir, vous reprenez de ce produit là hein, vous passez dessus. Voilà. Là, ça va se voir un tout petit peu les amis. Ça va risque de se voir un petit peu. Wow, c'est pas bien méchant. Voilà. Là, ça l'a rassoupli un peu même. J'avais plus de bubule et puis là j'en ai. Voilà. Impec. Mieux que sur le plan. Normal, il y en a pour. Oh, oh, oh. Je suis en train d'effacer la ligne, les amis. Oui, il faut que les bons. Ça. Alors. Elle se redécolle la ligne. C'est bizarre ça. Peut-être trop collé. Ok. Bon, on va arrêter de les toucher parce que tout à l'heure on va faire des conneries. À trop vouloir les tirer comme ça, dans l'autre sens ou ça, crac, il va casser, et puis là, c'est walou. Donc, on va venir poser celui-ci. Ah oui, hop, hop, non, il suffit de dézoomer un petit peu dans l'autre sens. On va venir poser celui-ci, après il y a le F qui vient à côté, mais ça je ferai hors caméra. On va venir poser celui-ci. Donc celui-ci, il vient dans le prolongement de la grille, c'est-à-dire comme ceci. Donc il s'arrête, ok, ici. Donc là, hop, un peu de ça.
Voilà, et puis ça mettra un terme à la vidéo, les amis. Le restant, je vais le faire hors caméra. Parce que là... Alors, je sais pas jusqu'où que ça va. Non. Ah oui, normalement, le Red Bull, il aurait dû descendre plus bas, hein, le Red Bull. Voilà, on fait ça comme ça, tac, 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 tac. Ouais, normalement, ça devrait être comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Il ne mord pas sur l'autre aussi. Ça, on peut l'enlever. Et donc, la rebelote, hein, on fait... On roule. Normalement, voilà, comme ça. Il y a un petit peu plus de jour. Voilà, ouais, c'est pas bien grave si un tout petit peu plus haut. Voilà. De rouleau compresseur là-dessus et puis c'est bon. Donc voilà les amis, donc les amis, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de me laisser plein de commentaires, de me laisser plein de pouces en l'air. N'hésitez pas de regarder les vidéos jusqu'à la fin les amis. C'est pour ça que j'essaie toujours maintenant, maintenant je vais faire des vidéos plus courtes pour que vous puissiez au moins les regarder jusqu'à la fin. Si vous avez des vidéos que vous n'avez pas pu regarder entièrement, n'hésitez pas à aller les revoir. N'hésitez pas à les revoir, même toutes les anciennes vidéos, les amis, il me faut des heures. Des heures de vue. J'ai aussi reçu un chèque d'une personne pour un mug. Je ne sais plus le nom, je crois que je le dirai dans la prochaine vidéo. Alors, le chèque, je ne l'ai pas encaissé parce que, tout simplement, c'est que je n'ai pas l'adresse de cette personne. Donc, je vais aller revoir s'il me l'avait mis dans le... lien de mon adresse mail, voilà, j'ai trouvé enfin, et puis comme ça je pourrais lui envoyer son mug parce que il est dans la boîte, mais il me faut l'adresse pour pouvoir qu'il reçoive. Donc j'ai pas encaissé le chèque, bien entendu, vu que j'ai pas son adresse. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, si vous sortez, protégez-vous les amis, c'est pas fini. Allez, salut.